Deng. À l'image de Yiling Yang, elle aussi doit se refaire dans cette finale à la poutre après avoir manqué son concours général individuel. Allez, c'est parti, salto avant. Attention, la flip décalée, flip serrée, tendue. Ah, c'est parfait. Mais elle a la pression aussi, Deng Linlin. Attention, voilà, le seul changement de jambe, pied, tête. La même où avait chuté Yang Lilin en ouverture de cette finale à la poutre. Attention à l'enchaînement. Salto facial, salto arrière groupé. Et le saut pied-tête. Avec beaucoup, beaucoup d'applications. Hein. Il y a des petites hésitations hein, sur les enchaînements. Là, on voit encore une fois sur cette série. Le salto japonais. Allez, elle a passé la majeure partie de ses difficultés. Linlin Deng, préparation pour la sortie dans cet exercice à la poutre. Allez, double carpé aussi. Ouais, ça pile. Sa pile, et elle va sortir devant Elisabetta Preciosa suite à cet exercice sérieux, ouais, concentré, beaucoup d'applications, mais on a senti, Émilie et Laurent, qu'elle avait un maximum de pression sur les épaules. Hein. Ouais, elle assure là sur son mouvement, c'est vrai que bon, c'est un gros mouvement, il y a beaucoup d'acrobatie, on voit, elle enchaîne, il y a du rythme parce qu'elle est obligée pour que ça rentre dans la 1 minute 30 qu'elle a pour présenter son mouvement, il faut que ça passe, donc elle a assuré son mouvement au niveau des enchaînements, c'était un tout petit peu juste, mais c'est vrai que bon, elle prend le temps pour pouvoir se lancer et être dessus, quoi. Moi, je trouve extraordinaire quand même l'amplitude des sauts et la stabilité, vous en avez parlé, Milly, la stabilité de toutes les acrobaties. Mm. Regardez, c'est quand même impressionnant, quoi. Elle est capable d'enchaîner les acrobaties, rester concentrée, on l'a dit, y compris dans les sauts acrobatiques. Mais voilà, elle se lance pas après son accro, même si elle a un autre élément à enchaîner, elle prend le temps de se poser. Parce que c'est vrai que des fois, avec le stress de la compétition, l'envie de réussir et d'avancer dans le mouvement, on a tendance à enchaîner un petit peu rapidement. Et la sortie, là, on voit en double carpé. La sortie en double carpé, la situation provisoire avant de voir la note de Linlin Deng. L'italienne Elisabetta Preciosa domine avec 14.200. Place officielle, 15 points, 6-400 en difficulté, 8-600 en exécution. C'est bien ce qu'elle vient de réaliser, Linlin.